Salut, salut! Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve aujourd'hui pour ma collection make-up, franchement, make-up, tout ça, tout ça. Donc, ce make-up, je ne sais pas si vous l'avez déjà eu ou pas. Si c'est le cas, je vous le mets en barre d'infos. Je vous ai déjà présenté ma collection de palettes et mon top 10 palettes que je vous remets également en barre d'infos si jamais vous voulez aller voir, comme ça on va zapper. De toute façon, elles sont rangées là maintenant. Voilà. Et là, je vais juste vous montrer mon make-up ici avec mon backup parce que je sais que vous aimez beaucoup, beaucoup, beaucoup voir mon backup. Je ne sais pas pourquoi. C'est une obsession pour moi de le faire, mais c'est une obsession pour vous de le voir. Donc, je vais vous filmer ça au téléphone. Je vous reprends pas face cam à la fin parce que de toute façon j'aurai rien d'autre à vous dire à part ce que je vais vous dire maintenant. N'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Dites-moi si vous aussi vous avez la manie du backup comme moi. Voilà. Donc je vous dirai un petit bisou à la fin. Et voilà, mais je ne vous reprendrai pas face cam. Donc là, on passe directement au rangement, filmé au téléphone. Ça sera beaucoup plus simple pour moi. Donc voilà, pour mon rangement make-up, alors faites pas attention le haut, faut que je range, c'est toujours le même meuble, voilà, tout simplement. Donc en dessous, c'est du bordel, mais on va passer au tiroir. Et pour les palettes, je vous remets la collection palettes en barre d'infos, elles sont rangées ici, voilà, comme ça vous voyez. Alors, premier tiroir, ici on a tout ce qui est paillettes, strass, voilà. Tout ça, les paillettes à gogo. Celle-là, il faut encore que je les mette en vente, j'arrête pas d'oublier. Des éponges pour que j'aime pas, donc pour utiliser pour autre chose. Donc là, il n'y a rien d'autre. Hein. Mes strass, c'est principalement AliExpress et Shein. Voilà. Il faudrait que je nettoie mon meuble aussi, que je remets là. Alors, ici, on va commencer par ici, tout ce qui est fossile. Voilà, le Lashbook, tous les fossiles, donc Shein, Primark, Boozy Shop, Révolution, Essence, c'est mes fossiles préférés. Ça, c'est aussi ma palette Creator, voilà, que j'adore. Ça, c'est ce que j'avais reçu dans le colis chez Glam. Je vous remets la vidéo en barre d'infos. Ici, on a tout ce qui est liner cake, mais bon, ici, c'est du gras. C'est des liners, c'est les pigments pommades de chez Révolution. Mais deux trucs chromatiques de chez Meron, argenté et doré, que j'adore. Ici, c'est encore Révolution. Glisten, hein, bien sûr. À gogo. Il me reste un tamis. La palette que j'utilise plus pour les make-up artistiques et mes palettes Glisten. Voilà. Mes petits pots que j'utilise pour quand je dois faire des mélanges et compagnie. Alors, tout ce qui est palette entre guillemets, on a les trois sorbets là, suite chic là de chez Shein. Là, l'étal cosmétique que j'adore, mais ça, c'est une que vous composez vous-même. Donc, moi j'ai mis un bronzer, un blush et un highlighter, bien évidemment. La palette NYX et Avatar que je dois tester. Voilà, j'attends. Il manque un produit. la Too Faced Turn Up the Light, et bien sûr j'ai mes deux comment ça s'appelle, mes deux de chez Kat Von D, les Alchemist Palette. Une prise, ça sert toujours. Alors on va commencer ici, là c'est les bronzers qui me restent, donc vous voyez il m'en reste 5, le Lady, le LA Girl, le Kiko, le Nabla et le Tom Ford. Voilà, j'utilise que ceux-là plus ceux qui sont dans les palettes, hein. Ici on a tout ce qui est blush. Donc KVD, ici c'est un Wet n Wild qui est vraiment pas mal. Essence, alors Essence il m'en reste plus beaucoup, c'est deux éditions limitées. W7, Milani, MUA, Catrice, Natasha Denona, Kylie Cosmetics, Nabla, Révolution. Ici c'est les Disney, donc Moana, les deux. Donc ça c'est chez Révolution. Je la boucle. Ça fait partie de mes blushs préférés. Ici, on a le patch et le Bambi, que j'adore aussi. Voilà. Je ne vais pas réussir à les ranger, bien évidemment. C'est pas évident avec le retour écran. Mon
Bon, ben, je préférais. Voilà, encore un essence. Vous voyez comme quoi il ne faut pas dépenser des milliers d'essence. Colourpop avec les Super Nana. Le Sisi, pareil, je vous remets la vidéo en barre d'infos que j'avais reçu en collab. Le Clochette encore de chez Colourpop. Ici, c'est un Je mets. Non, L'Oréal. C'est ici. Ah non, c'est Bourjois ici. Là, c'est les mini tartes et le mini Lumioso de Milani. Et ici, c'est mes highlighters. Oui, j'abuse. Hein. Alors, bon, on a la poudre ici à Hourglass, comme ça, parce que je sais pas où la mettre. Bah oui, j'ai ma palette de teint à Hourglass aussi. Mais j'ai tout ce qui est dans mon Project Pan encore. Elle est ici. Attendez, je vais essayer de la choper. Voilà, celle-là. Je l'aime beaucoup. Ça, c'est que Marie m'avait envoyé. Je regarde si j'ai d'autres trucs make-up. Non, je ne sais pas trop. Les deux révolutions que j'aime beaucoup, le Be Perfect. Mon préféré, le Edwige de Colourpop. Ofra W7. Ici, c'est un Shein. Je vous remets aussi le crash test du coffret des Noces Funèbres. Mon deuxième préféré, le Kaleidos Age of Prophecy. Space Age of Prophecy. Le NYX avec les Wings. Le Kimchi Chic Colourpop et le Fenty Beauty. Voilà pour ce tiroir. Alors, celui du dessus, c'est le backup. C'est un de vos tiroirs préférés. Je ne sais pas pourquoi. Ici, on a mes lingettes pour nettoyer mes lunettes, mes lingettes pour nettoyer mes mains et les mouchoirs. J'ai le petit démaquillant pour quand je fais des queues de cuisse, mais ou des semi-queues de cuisse, mais j'en fais jamais. Je fais toujours en version feignasse. Alors ici, on a le fond de teint. Il me reste un Catrice, un Chiglam comme ça, 4 Chiglam comme ça, 3 poudres de chez Révolution. Il me reste 2 bases NYX, une Sensational de chez Catrice et une Chiglam. Mes anti-cernes, donc les révolutions infinites, là, je les adore ceux-là. Et les triple X, enfin les double X plutôt, là j'en ai 4. Voilà, voilà. Le stock de poudre, alors on a une Chiglam, les 3 actions, c'est mes poudres préférées pour le teint. Et mon backup de poudre. Alors j'ai vu, c'est Dedona, pas Odona, j'arrête pas de dire Odona, mais c'est Dedona. Voilà. J'ai commandé le stock, vous avez vu ça dans mon haul. Attendez, celle-là, il faut que je la remette devant parce que c'est que j'ai acheté avant. Donc là, j'ai le stock. Hein. Mes bases, voilà, là aussi, j'ai le stock. Hein, j'en ai 5 ou 6. C'est encore une base, j'en ai 5. 3 sprays fixateurs, 3 blush crème de chez Shein, parce que ça, j'utilise que un par un. Les Glisten noir et blanc, en gros format, bien évidemment. Rasoir visage, colo sourcil, mixing liquid, colle à fossiles et produits sourcils. Ici, c'est tous des crayons à sourcils, donc c'est quasiment que du Chiglam ou du foie gras. Un mascara à sourcils Catrice, le liner de chez NYX. Ici, mes liners. Oh, mon Dieu, j'en ai plus qu'un, 2 d'avance, il faut que j'en rachète. Crayon Sephora et mon liner étoile. Colle à fossiles, essence et Chiglam. Il me reste plus de 2 mascaras d'avance. Ça aussi, il va falloir que je me rachète du stock. Encore un produit sourcil. Ici, on a tout ce qui est pour les lèvres. Baume à lèvres. Plumper ici devant. Baume à lèvres et huile à lèvres ici, ici. Ici, c'est des masques et des lip scrubs. Voilà. Savonnette et éponge. Donc, éponge aussi. Hein, je ne suis pas savonnette non plus. Je suis pas en... Je risque pas de tomber en cours, quoi. Petit coton-tige. Toujours important. Ici, on a mes essuies pour me mettre sur mon bureau et me nettoyer les mains. Les faux ongles, mais ça, je pense que je vais les vendre parce que j'aime tellement faire mes ongles que je les utilise pas. Donc, je pense que je vais les mettre en vente. Ici, c'est mon petit panier que je sors pour quand je dois faire mes ongles, justement. Hein, il y a tout dedans, hein, ma lampe, ma prise, mon acétone, les pinceaux, les gummies, les top coats. Enfin, il y a tout dedans, ma lampe. C'est pas très net, hein. Mes tips pour la pose américaine. Ici, c'est un petit peu du backup, hein, du noir, du la grippée. Oh, j'ai des polygènes, mais je ne les utilise pas. J'ai des soins. Enfin, voilà, j'ai à peu près de tout. Des cotons. Et ici, c'est tout mes water decals.
les, un peu de stickers, mais les stickers j'utilise pas trop. Mes poudres aussi, hein, holographiques et tout ça. Mais voilà, ça c'est les water decal quoi. Passion water decal. Et pour terminer, on va passer à mes petits rangements ici en acrylique. Donc là, j'ai mon panier avec les produits que je dois terminer qui sont entamés. Bon, là, on a le petit rouge à lèvres, je défrais ça, mais il va aller en vente parce qu'il ne tient pas sur mes lèvres, vraiment pas. Tous mes crayons à lèvres, donc là, il y a un peu toutes les marques. Hein. Il y a W7, Essence, Shiglam, bien évidemment, Nyx, ça c'est XX, j'ai un Nabla que j'adore, Catrice, Essence, enfin, voilà, c'est toujours les mêmes marques, mais... Ah, et mon préféré de tous, le Toast de chez Beauty Bay. En dessous, on a tout ce qui est gloss. Donc, j'ai un mini Fenty. Le Charlotte Tilbury est dans mon truc parce que j'essaye de le terminer. NYX, Action, Huda, Essence. Ça, c'est encore Essence et des paillettes. Shiglam. Et ici, on a W7, NYX, NYX. Et puis, mes Jumbo Focalure. Ici, on a les rouges à lèvres raisins que j'utilise le plus, bien que j'en utilise pas souvent. Donc, Charlotte Tilbury, Pat McGrath, les Révolutions avec, comment ça s'appelle, Game of Thrones, les Shiglam que j'ai reçus, Too Faced, ouais, Charlotte Tilbury, je vous ai dit. Ensuite, on a derrière mes Huda Beauty Martin, si je dis pas de bêtises, non, ça, là, c'est les Focalure, Shiglam, Martin. Mes Melted, que j'adore. J'achète ceux qui sont en collection limitée de Noël, parce que je les adore. NYX, Lime Crime, Color Pop, Huda, c'est un mini, et KVD, c'est un mini. Ici, il m'en reste un peu moins. Catrice, Ofra, Révolution, Shiglam, et un NYX. Mes autres raisins, donc Huda, comment s'appelle déjà celle-là, Natasha Denona, Sephora, Marc Jacobs, des mini Anastasia, un mini Mac, NYX, derrière il y a Chanel, Révolution, Essence, Fenty. Et en dessous, c'est les rouges à lèvres un peu plus extravagants. Donc ça, c'est des glitter, hein, c'est des paillettes, vous pressez les lèvres et c'est pailleté. Ça, c'est un métallique. Donc, ça, c'est Essence, NYX, NYX. Diane, c'est un bleu canard. Ça, c'est un vert. Un gris de chez Keybest. Ça, c'est deux d'AliExpress, un vert, un bleu. Le noir de Sephora, bien sûr. Et celui-ci de NYX. Et pour terminer, alors ici, on a mes Jeffree Star. Alors, il me manque une étagère derrière. Voilà. J'aimerais bien n'avoir que des Jeffree Star sur ce présentoir-là. Ici, on a le Colourpop Harry Potter. On a le Sugar Peel de Sub-Zero. Le Sub-Zero de chez Sugar Peel. Et celui-ci de chez Jolie Beauty. C'est le seul que j'ai gardé parce qu'ils ne tiennent pas super bien. Mais là, j'ai mis les mini que j'avais eu de la part de DJ et mes gros. Voilà. C'est très beau. C'est très satisfaisant à regarder. Et pour finir, on a les liners pailletés. Donc ici, c'est les OPV. Voilà, j'en ai quelques-uns, mais pas tant que ça, parce que c'est pas mes préférés. Il y a juste qu'il y a des couleurs qu'on voit pas ailleurs. Et mes préférés sont ici, donc les Beam de chez Focalure, je les adore. Les W7, mes prefs, et le Kiko. Et voilà. Et on a fini le petit rangement make-up. Oh, j'ai failli me casser la gueule. C'est mon panier où j'utilise mes pour ma rotation hein, et tout ça. Mon poids pinceau, alors celui-là... je kiffe trop, c'est trop pratique. Ils sont rangés par ordre. Hein. Mon petit tourniquet que j'adore aussi. Donc là, c'est tous les produits que j'ai d'entamer, que j'utilise plus régulièrement. Vous voyez, il y a mes glistons sont là, les colles. Enfin, il y a un peu de tout. Ici, c'est les pinceaux que j'utilise pour blender ma base, mes liners, mes pinceaux machin bidule. Je vais quand même tout vous montrer, hein, du coup, tant qu'on y est. Ici, on a mes petits rangements. Donc là, il n'y a pas grand-chose. Mais la vache, j'ai tout qui se casse la gueule. Ici, j'ai tous mes crayons pour les yeux. Donc là, pareil, il y a un peu toutes les marques. Hein, Urban Decay, Révolution, LA Girl, Essence. Ça, c'est Sephora. J'ai du Jeffree Star. J'ai un peu toutes les marques. Hein, NYX. Enfin, bref.
il y a un peu plus des marques. Ici, c'est tous mes strass pendant, mes chaînettes et tout ça pour les make-up un peu plus foufou. Je peux le refermer. Ici, c'est du petit bordel. Et ici, c'est ce que j'utilise régulièrement. Donc, mon liner, mon crayon noir. Ça, c'est deux qu'il faut que je finisse. Mon mascara entamé. Mon crayon à lèvres que j'essaye de finir. Et mes petits shampoing. Et ici, le reste de mes pinceaux. Donc là, c'est les pinceaux teint, mes miroirs. Donc, Chine et Révolution. Et ça, c'est des pinceaux. Là, il y a les aérateurs. Ceux que j'utilise pour balayer mes chutes. Et dès que j'utilise, un petit peu moins. Et voilà. Et c'est de ce côté-là, c'est le bordel. Mes pinceaux sales. Mes essuie-mauvais. Il faut que je range. Voilà. Absolument, il faut que je range. Donc voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air. De vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et voilà. On se retrouve demain. Et moi, je vous dis bisous, bisous. Thank you.